Alors, nous savons qu'aucun être finalement ne souhaite souffrir. Et pourtant, les êtres continuent de souffrir. Alors, pourquoi, bien sûr? Parce qu'en fait, ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne connaissent pas la méthode qui mène au réel bonheur. Ils ont l'impression qu'en accumulant des biens matériels, des richesses, eh bien, ils vont obtenir le bonheur. Or, on a beau être le plus riche du monde, on n'obtiendra jamais le bonheur puisque ce sont des richesses extérieures et le bonheur est une richesse intérieure. Donc il faut développer vraiment l'esprit d'éveil qui se trouve à l'intérieur et couper tout ce qui est lié au samsara et aux biens matériels, puisque ces biens matériels ne font pas le bonheur, bien sûr, et contribuent à obtenir un certain confort quotidien. Mais les richesses extérieures, forcément, ne permettent pas d'obtenir le bonheur intérieur, donc ce fameux bonheur que tous les êtres recherchent. Même nos propres ennemis, en fait, hein, en nous faisant du mal, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir nous voler notre situation, par exemple, qui serait envieuse à leurs yeux. Mais en fait, non, ils sèment du karma négatif et ils sèment des souffrances à venir lorsqu'ils exécutent des actes négatifs à notre encontre. Eh bien, ils pensent, encore une fois, obtenir le bonheur en faisant cela, sont dans l'ignorance de comment évoluer pour vraiment obtenir le bonheur intérieur tant recherché par tous les êtres. Tachidélé!